j'ai pas eu le petit. Mais il faut vous dire que j'ai perpétré. Le pire, il est peut-être celui que j'ai commis à ce moment-là. D'abord, je n'ai pris son passé, c'est vrai, son vivant. Mais surtout, je me suis enterré de son identité, de son nom, de son œuvre. Longtemps, il m'en a voulu. Combien de fois n'a-t-il pas cherché à m'éliminer de diverses et de manières, me précipitant pour une falaise, me faisant assassiner d'autres méchants idées. Avec le temps, il semble qu'il m'ait pardonné. N'a-t-il pas appelé sa maison ce soir qui ne pourra être dans le gros mouton? Même si lorsqu'il en parlait, il ajoutait avec une certaine perfidie, ce peut être mon meilleur mouton. Et oui, Arsène Lupin, ça. Regardez bien cet homme. Cet homme s'appelle Maurice Leblanc. Il voulait être Flaubert ou Maupassant. Il sera un immense romancier populaire et historiographe d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc est né à Rouen le 11 décembre 1864, au bain de Saint-Claire, près de Cadiacène, cadre de ses premiers romans. C'est Achille Flaubert, frère de Gustave, médecin de Dieu, qui le mit au monde, et pour devenir parrainage pour un écrivain. Maurice en tirait une certaine fierté. Par ailleurs, sa grand-tante ayant épousé le cousin du père de Flaubert, il laissait entendre que la famille Leblanc avait bien connu l'auteur de Madame Bovary. Les ancêtres rouennais de Maurice étaient de conditions modestes, son arrière-grand-père tailleur de pierre, son grand-père carrossier. Son père, Émile, réussit à devenir l'un des principaux négociants en charbon et en transport maritime de Rouen. Il épouse Blanche Broglie, riche orpheline d'un milieu filateur. Les figures de père sont très, très rares dans les aventures d'Arsène Lupin et dans les autres œuvres de Maurice Leblanc. Le seul personnage qui ait été négociant en charbon, comme il était père de Maurice Leblanc, comme il s'est mis en scène dans son œuvre, c'est Gustave Géraud, l'auteur de Madame Bovary. Et c'est un personnage qui est très, très peu sympathique, qui fréquente surtout des mondes industriels, des manufacturiers, et qui ne s'intéresse pas du tout à la littérature. Et en fait, on peut déduire que Maurice Leblanc n'a pas conservé un excellent souvenir de son père. En revanche, sa mère, qui est décédée beaucoup tôt de son père, semble avoir laissé chez lui des souvenirs très, très, très vifs, et on a très, très souvent parlé. Celle qui se pose sur notre TV pour écouter la vue de nos enfants innocents, celle qui nous éveille à la vie du cœur et qui mène à nos instincts de garçons égoïstes et indifférents, les premières notions de cruauté, les premières aspirations généreuses, quelquefois même un peu d'extermisme, notre seule incarnation vivante. Maurice et les deux sœurs, Jeanne l'aînée que l'on appelait la grande sœur aux cheveux d'or, et Georgette la cadette, qui deviendra une comédienne célèbre longtemps à ses parents de l'écrivain Maurice Mitterrand. Toutes les deux resteront en étroite relation avec leur frère. Enfin, Maurice passe ses vacances dans une maison de briques entourée, près des ruines de l'abbaye de Fumage. Le cheminot de Fumage a toujours été pour moi une douce évocation de mon enfance. Toute la beauté de la nature qui se mêle aux ruines, et du passé qui nous traverse au présent, à l'avenir. C'est une bicyclette que Maurice découvre la campagne rouennaise. Un chemin pour trouver le bicycle est un défi. Jamais elle a découvert tout le monde. Pour moi, j'ai grandi, 1,50 m, j'avais 13 ans. Lorsque mon père fait une intervention aux écoles pour remonter au ciel, je fis rouler la boule 37. Mon jumelage de 12 ans, c'était un trio. J'étais le seul à rouler, et puis on m'a dépassé par les plus parce que dans la bicyclette, bien sûr, j'ai une ironie de quelque chose qui serait très présent dans les écoles de ces temps, et qui est déjà très présent aussi dans les écoles, c'est le coup de chiffon, le coup de la responsabilité. La bicyclette est connue dans l'histoire de l'être à la fin du 19e siècle. Une femme extraordinaire, très disciplinaire. Le faire de la bicyclette, c'était affirmer sa supériorité sur les autres, parce que ça allait être une chose. Et puis, c'est aussi rentrer au contact avec la nature. Ce contact avec la nature vous suppose d'aller plus en plus. Comme on le sait bien, le christianisme est aux antipodes de la nature.
Il y a les rentrées de classe. Maurice fait toute la scolarité, mais c'est comme un idiot. Quelques brillants élèves, il ne garde en mémoire que de sombres souvenirs de son exposition. En présent, on a été l'espoir de la vie de Maurice. Dès qu'il peut parler de l'espace, on était en réunion à la beauté des choses, au spectacle du ciel et de l'horizon. Maurice retrouve l'atmosphère austère de la maison de la rue du Bagage, une heure conçue face au squat social du groupe que ses parents achètent en 1873. Heureusement, il y a les deux. Maurice Leblanc, pourtant, après toute cette grande forme, au moins, c'est-à-dire que les dimanches ne vont pas rentrer à la nuit parce qu'il y a un service de plateau qui est dans l'usine de cadre des Miro de Picard, ami de la famille. Les ambitions du jeune homme sont toutes autres. Il admire mon passé. Il écrit en cachette ses premiers contes. Il rêve de conquérir Paris et ne manifeste que mépris pour la ville provinciale, vilaine science. Quand une balance rencontrée seule, une guerre déforme. L'atmosphère de pourriture pèse dans les endroits publics, dans les rues. Les couverts s'entrecroisent, les intérêts, les abysses, les églises. Avec ce que représentait pour lui son père, c'est-à-dire quelqu'un qui était aux antipodes du milieu artiste qu'il souhaitait fréquenter. Pourtant, le 23 novembre 1890, Maurice est à nous. Pour lui, le monde ne aurait pu manquer l'inauguration d'un monument élevé à la mémoire de Flaubert, mort 10 ans auparavant, et à laquelle devait assister la célébrité du temps. Salaire, Moisson, Miro, Loti et Edmond de Goncourt, qui décrit la sculpture de Chapu comme la vérité faisant sa théorie dans un puits. J'ai vu à cette inauguration, j'ai vu au premier, mais il y a une activité réelle, les autorités réelles, etc. Le soir,
cette Catherine, alors que nous passons pour un lien à propos de l'homme sur le coin, et que je n'avais quand même pas mangé comme des cochons, le rasoir s'écrivait. Mes petits amis, j'espère que vous n'avez pas parlé de continuer jusqu'à présent. Moi, je suis crâne. Tous ces trucs de la création, moi, je suis parti. J'adore. Vous avez l'église dans cette série. Je me précipite pour une dernière avec mes maîtres, mon voisin aussi. Quelques minutes plus tard, l'un des deux nous a encore vu. Nous avons été partout. Peut-être qu'il était en ce moment, il est très peu dans son âme, et que nous avons rencontré ses maîtres, ses âmes, et surtout dans mon passé d'ailleurs, parce que mon passé n'est pas plus très poussé à montrer le retour de ce que nous restons à la côte de cette zone de passage. Pour le retour de la guerre dans la nuit, la petite maison avec les femmes nombreuses avait les mêmes montagnes dans le matin. Elle m'a reconnu dans la montagne sur la mer de la mer paternelle. La seule souvenir.
certains articles à Paris, elle l'habite dans un logis d'artiste qu'elle transforme en salle littéraire et musicale. On y reverra son regard. On met en France, Jean-Renard, Oscar Wilde, Barès, Mallarmé, Massenet et beaucoup d'autres. Mais la retour à la paix aux alentours de 1900, Maurice Leblanc est la proie des premières amertumes. Son recueil de nouvelles et l'œuvre charmante passe inaperçu, de même que l'enthousiasme. Au roman autobiographique auquel il avait travaillé avec acharnement. Et sa pièce, La Pitié, ne sera hélas jouée que 8 fois, laissant spectateurs et critiques indifférents. À cela s'ajoutent d'autres soucis. Maurice divorce avec Marie Lalanne. Il vit avec Marguerite Vancel, elle-même encore mariée. Les problèmes qu'elle rencontre depuis le divorce, ajoutés au tracas financier, rendent Maurice neurasthénique. Pour faire face à l'alimentaire, ce passionné d'automobile accepte d'écrire des contes sportifs pour le journal Le Temps. L'automobile et la nouvelle sont des instruments propres à provoquer un vestige de puissance à quiconque les utilise. Puisque chacun des développe une énergie hors de proportion, avec son nécessité par le geste pyramidal. En 1905, Maurice fait la connaissance de Pierre Lafitte. Journaliste sportif, étant comme ambitieux, il avait créé un journal consacré au sport, la vie au grand air, ensuite musical, féminin, et surtout le journal Je sais tout, en 1905, dans lequel, toujours pour assurer le quotidien, Maurice écrit un petit conte d'aventure, l'arrestation d'Arsène Lupin. L'étrange voyage, il avait si bien commencé en sport. On n'a pas jamais vu qu'il s'est rassasié de plus en plus. La Provence est un train attentif rapide, confortable, comme une des premières formes des hommes. La société la plus chose à s'y trouver dans l'île. Comme la science normale, comme la puissance de son pédestal. La deuxième impression exquise d'être séparée du monde, réduit à lui-même comme souvenir inconnu, obligé par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochons. On ne sait pas ce qui a pu mourir. Ce qu'on peut dire, c'est que ce dont elle parle était mon ami. C'est le thème de Jean-Claude, comme vous l'avez fait en 1905, le moment où Arsène Lupin a fait la première lecture, la lecture pour tous, publié un article qui s'intitule La première lecture écrite. Ce moment-là aussi, le baillet publié un livre qui s'intitule Comme vous l'avez fait, cela s'explique, je pense, par une modification aux alentours de 1900 de la criminalité. À la fin du 19e et au début de la prospective, se développe le genre de résidence secondaire, qui est assez complet, les appartements, et se développe aussi, et comme vous avez dit, c'est ainsi par son nouvel, que c'est maintenant le moment de l'histoire sur la station. Son portrait, comment vous l'avez vu ? Parfois j'ai vu Arsène Lupin, et parfois c'est un être différent qui m'a donné. Ou plutôt, la manière dont le premier miroir nous permet de voir autant d'images différentes, la même magnifique, je ne sais plus bien qui je suis. Autant de saintes, une véritable égalité qui rencontre et qui lui même sa patience, son air de maniaque, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer la réponse de ses craintes. Comme les hommes peuvent jamais dire avec toute certitude, voici Arsène Lupin, et son célébrité sans crainte et rien, Arsène Lupin en français. Ce qui est étonnant avec la toute première nouvelle qui raconte l'arrestation d'Arsène Lupin, c'est que Maurice Leblanc décrit l'histoire d'un personnage qui a déjà des passé différent, qui est déjà très célèbre, qui a déjà toutes les caractéristiques du gentleman cambrioleur. Et cela est tout à fait étrange parce qu'on pourrait penser que c'est pour les 20 ans primaires que Maurice Leblanc a réussi à donner son Arsène Lupin. C'est très essentiel pour tout son caractère. Donc, dès la première nouvelle, le personnage est entier. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est ce succès immédiat et que ça ressemblera à deux lignes. Et là, on va être plus surprenant parce qu'il fait l'affaire avec Arsène Lupin et donc, il pensait qu'il y a un petit. La fuite me donnait sur la paix où je me trouvais et me donnait une suite. Continue mes études sur la nouvelle, je serai comme un nouveau français. Le roman psychologique pour la paix. Je ne pouvais me résoudre à la limitation du genre de littérature. Je serai donc accepté la fuite que Arsène Lupin est toujours en train de faire le premier compte, l'histoire se termine. En ce moment, il fallait la paix et il me fallait bien que ça paye. Il semble qu'ensuite, ce qui est
Maurice a enfin épousé Marguerite Ramsay, et le succès par ses nuits permet au couple de s'installer dans un petit appartement à un creuset. La revue Femina décrit Maurice comme un canon d'œil français, et le photographie auprès de son épouse et de leur fils. L'épigraphe par son épouse est un peu plus grand, mais il inspire le mot japonais. Dans une prison dorée qui prend la mur en 1911 au fond de la ville à l'Iran, dans la belle hôtel particulier de 3 étages, loué pour 36 ans. Et Maurice n'arrête plus d'écrire. Un royaume de ses coups s'interfond et la différence de la terre. Thank you.
entreprise dont les titres contiennent peu de déchets. Leblanc observe que les abbayes médiévales du pays de Caux, reliées entre elles sur une carte, reproduisent le dessin de la province. Il risque que ces pièces s'abîment, surtout sans envoyer, retirées au monde et louées à partir de 1907 à sa sœur Jacques-Jacques, la Mitterrand, qui y passe une année. Jacques-Jacques y organise des représentations mémorables de Macbeth, d'Ariane et de Péléas et Mélisande. En 1910, Maurice franchit une étape importante de sa carrière. En devenant le feuilletoniste attitré du journal, il passe du mensuel au quotidien et voit sa signature au rez-de-chaussée, comme on disait avant. De nouveau, une grande campagne publicitaire accompagne 1813 et le bouchon de cristal. Quoique formé et rémunéré, le franc la ligne, 100 000 francs pour le salon de fête, Maurice en éprouve une obscure sensation. Il répond amèrement à la critique pour camper une chemise de jeunes chocolats. Mon cher ami, vous sortez de la colonne de l'achat, mais la de l'âme. Je vais vous dire une chose qui est tout de même protestante. C'est que tu es la première qui est sur mon frontal. Je n'ai pas conçu d'un côté ou d'une amertume. Mais enfin, j'ai passé à notre genre d'exercice. Je ne m'empêcherai pas de revenir à ce que j'ai passé cette année. Inscrit au théâtre pour lequel il est resté fasciné. En 1908, à la télé, il met en scène une adaptation écrite avec Francis de Croisset des aventures d'Arsène Lupin. C'est le jeune André Brûlé qui interprète Arsène Lupin, duc de Charleroi. On voit ici une répétition avec Francis de Croisset à droite et le dessinateur Sienne à gauche qui prend des croquis. Cette pièce est quand même connue depuis 1908, cette situation, jusqu'après la guerre.
syndicat, et le syndicat, c'était comme vous voulez. À l'époque, la pièce est la même que d'ailleurs, et la physique n'était pas la même que du tout. Parce que le coupé, si tu n'étais pas la même que le coupé, il était un monsieur à moustache, très bon noir, très joli, très doux, mais c'était pas très bien. Maurice passe les mois d'été au château de Tancarville. Je voulais passer sur le la tour de l'aigle à l'extrémité du domaine et le ciel de cœur. À nouveau, on le sent inspiré par ce cadre médiéval. C'est à Tancarville, en août 1914, que la déclaration de guerre surprend. Il est trop facile pour combattre. Il partage avec Paris l'idée du devoir patriotique des étrangers. Il correspond avec lui à Bombanon. La médaille Barras remise aux familles des éléphants morts au championnat. Il souhaite combattre par la plume. Le patriotisme déjà présent en 1813, où le pouce du père Guillaume II s'accentue avec les plus théoriques qu'il donne au journal. Les horreurs de la Grande Guerre envahissent l'œuvre de Maurice Leblanc. Les autorités tremblantes, l'espace obscurci sous une nuée de sang et de poussière, salissait tout seul comme un clavier.
1930, Maurice a 66 ans lorsqu'il a le bonheur d'annoncer les fiançailles de son fils Claude avec Denise Ménachon. Je ne sais pas si vous avez vu. Depuis votre père, il avait invité la famille et la jeune. Une réception dans le milieu. C'est mieux que sur les photos. C'est tout à fait un vieux monsieur qui s'appelle encore ses bras. Un peu chaud, pas avec une moustache. Très près de son époque. C'est une femme qui se fait toujours. Il s'habillait de manière modeste, tout de suite, mais il avait de la terre. Souvent des deux avions. Il traitait souvent des charmes sur les photos. Il avait des photos, il avait un chapeau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais regardez un côté gentil. Vous avez vu ça, mais vous avez vu ça. C'est une génération qui s'essayait à se coucher de soleil pour dire. Vous avez vu ça, mais vous avez vu ça. Maurice Leblanc, qui a connu pendant la guerre des problèmes de santé, est en train de ménager ses efforts et de se prier. Où il avait décidé de travailler, il descendait les quelques marches de son bureau qui venait au jardin, il allait s'installer dans la pergolette, qui en général était fermée comme de bouche. Et il écrivait sur sa joue dans le carton. Il faisait énormément de rapports. Il avait une écriture absolument inusible. J'ai toujours admiré la dactylo qui arrivait à décider tout ce qu'il écrivait. À cette époque, il ne pouvait dire plus de 3 pages par jour. Il s'appelait Alexandre Charles. Le soir, en se couvrant dans le jardin, j'ai commencé à dire que l'esprit de mon père n'a pas. Je compose quelques chants manuscrits, mais je m'étais souvenu, celui de Charles, mais écrit une tête de mort. J'ai accepté le bras sans mal, donné à la fantaisie le couvent de la vérité. Voilà ma terre de tâche. Tout ce qui est bien. Maurice Leblanc a abandonné l'idée de devenir un grand romancier psychologique. Il essaie de lancer son diable d'Arsène en créant d'autres livres. Mais Dorothée dans le sens de corde, La vie extravagante de Balthazar ou Le poète de Chateau ne s'imposeront jamais face à lui. Bien qu'ils soient inspirés par Les coups de l'horloge, La comtesse de Cagliostro, La demeure mystérieuse ou La Barilla. Au milieu des années 30, il renoue avec ses débuts littéraires en mélangeant aventure et érotique soudaine l'image de la famille. Scandale du garçon. Il aura tout tenté pour forcer le destin. Celui qui écrivait le 7 juillet 1930 à la mort de Conan Doyle, un mortel créateur de Sherlock Holmes. Celui qui l'a fait mourir, mais pas très bien dans le monde des arts. Créatique, ne fût-ce qu'un seul, ne pensez-vous pas que ce soit la marque de quelque chose derrière. En 1939, Maurice passe pour la dernière fois les théâtres peints. Fidèle, il se rend comme beaucoup d'écrivains de son temps à l'auberge des vieux clubs, à Conville et à Marie. Il a rencontré une ville en 1939, où deux jours et un moment, il était halluciné par ses personnages. Il avait son chapeau, son cache-cœur pour la tête, et il se cachait la fille. Déjà, dans un monde qui s'appelle le Sept de Claire, il était un peu envoûté par son personnage, il avait l'impression que c'était lui qui le dirigeait. Il y a eu une petite attaque cette année en 1935 à la suite d'un renoncement. Et à ce moment-là, cet envoûtement a pris des proportions plus importantes. Il était littéralement annihilé par son personnage. C'était Lupin qui lui faisait faire tout ce qu'il voulait faire. Et cette façon de voir les choses, ça a pris jusqu'à la fin de sa vie. Son principal sujet de préoccupation. C'est à Perpignan qu'il s'éteint, en novembre 1941, quelques jours après sa sœur Georgette. Le même mois par recherche de son dernier roman, Les milliards de personnes. Écrit
Tué 6 ans plus tard, le corps de Maurice Leblanc repose désormais au cimetière de Palmas. Arsène Lupin, lui, est bien vivant, et depuis 1905, il n'a jamais connu une vie. Décrié par les hommes et aimé par les autres, la peine lui sont consacrés des clubs que l'opinion a créés. Traduit dans le monde entier, son succès est international et les adaptations innombrables. Et l'opéra, dans lequel Jean Gabin fait ses premiers pas, aux différents traitements cinématographiques. Citons au Japon une adaptation de 1913 par Kikuchi. En Hongrie, un film de Paul Fejos. Des interprétations américaines telles que celle de Marion Douglas, une des célèbres frères John et Lionel Barrymore. En France, Jules Berry, Robert Lamoureux, Jean-Claude Briani, Georges Lécuyère et François Dinoyer prêteront leur visage au gentleman contemporain. Il entre dans la bande dessinée en 1948, dans la collection Mémoire en 1950, et dans les livres de poche au début des années 60. Son créateur, Maurice Leblanc, apparaît dans le petit artiste illustré en 1980.